connaître ça yo fait. Yo y connaître ça yo dit notre qu'avant toujours que yo fait. Pour profiter de la vie qui sans autre comprendre yo qu'elle fait. De plus que ça qui déjà dit, pas tant de personnes. Faudrait nous travailler pour nous. Je ne voudrais pas terminer ce point sur le rayonnement, notamment culturel, sans dire un mot également des pays qui, eux, ne sont pas de la francophonie, enfin, ils sont de la francophonie, mais ils sont plus que de la francophonie, ils font partie du territoire de la République française, qui sont les départements ou les territoires d'outre-mer. Je rappelle que 2,7 millions de nos compatriotes, c'est-à-dire quand même 4,5% de la communauté nationale, vivent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Vous voyez ici, en haut, de haut en bas et de gauche à droite, Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique avec la montagne Pelée, le pic du Maïdo à l'île de la Réunion et puis les îles des Saintes au large de la Guadeloupe. Alors pourquoi je vous parle d'eux ? Parce qu'ils se sentent pourtant les oubliés de la République. Le chômage y est souvent important. Je signale que l'île de la Réunion, est, avec plus de 850 000 habitants, est le 25e, je crois, département le plus peuplé de France sur une centaine. Donc c'est un très gros département français. Le chômage y est important. Les dirigeants français n'en parlent jamais ou pratiquement jamais. Et ils préfèrent vanter notre solidarité avec les Slovaques ou les Lettons. Je rappelle que l'Union européenne qualifie les départements d'outre-mer de régions ultra-périphériques. Et pourquoi donc ? Pourquoi donc l'île de la Réunion, qui est française, comme vous le savez, depuis 1638, c'est-à-dire avant la mort de Richelieu et de Louis XIV, qui est française avant les villes de Lille, Courtrai, bien française bien avant la Savoie ou le comté de Nice, qui sont françaises depuis 1860, eh bien pourquoi cette île de la Réunion, comme d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique qui sont françaises depuis à peu près la même période, pourquoi seraient-elles considérées comme des régions ultra-périphériques par rapport à la Slovénie ou à Chypre ? C'est d'autant plus absurde à une époque où tout, avec Internet ou les communications, désormais, les mêmes nous disent que les distances ont été abolies. J'insiste aussi sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. D'ailleurs, ils s'y portent très bien. Je signale aussi au passage, c'est une curiosité, mais qui mérite quand même d'être rappelée, qu'il y a une collectivité française qui est sortie récemment de l'Union européenne, qui est la collectivité de Saint-Martin, qui est devenue collectivité d'outre-mer. Parce qu'il y a une vie après l'Union européenne. Hein. Le Groenland, par exemple, qui était un département d'outre-mer danois, eh bien, était membre de l'Union européenne à partir de 1972. Il en est sorti en 1994. Alors, sans tambour ni trompette, il ne faut surtout pas que les populations le sachent. Mais donc, c'est possible puisque ça s'est fait. Alors, j'insiste sur le fait que les départements, les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne. Et j'insiste aussi donc sur le fait que nous adopterons une grande politique de redynamisation de l'outre-mer, avec une augmentation de la présence de l'outre-mer français dans les grands médias nationaux. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais on n'en parle jamais. Donc il y a quand même, on pourrait de temps en temps avoir des informations, des reportages sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Français originaires de nos départements ou territoires d'outre-mer qui sont présents en France métropolitaine. Il faudra également développer et subventionner les dessertes aériennes pour continuer à abaisser le coût des transports, même si beaucoup de choses ont été faites. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la desserte aérienne de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont quand même encore tout à fait onéreuses. Développer un vaste programme d'échange scolaire entre métropole et outre-mer pour apprendre à tous les jeunes Français à partager un destin commun. Pourquoi n'y aurait-il pas de temps en temps des écoles de France, je ne sais pas, moi je pense au Cher, ou je pense à la Seine-Saint-Denis, ou bien je pense aux Hautes-Alpes, qui auraient droit à aller passer 3 mois avec un échange avec une, par exemple, une classe qui se trouverait à Papeete, ou bien à Nouméa, ou bien à Saint-Gilles, ou à Saint-Leu, ou à Fort-de-France. Et réciproquement, développer des activités productives sur place, promouvoir nationalement ce que j'appelle le beau modèle réunionnais. Parce que c'est un beau modèle que nous avons. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent l'île de la Réunion. C'est un modèle où des Français de toutes les ethnies, de toutes les religions, ont bâti depuis maintenant donc plus de 370 ans une société. Alors évidemment, je n'ignore pas l'origine, l'esclavage, etc., bien entendu. Mais enfin, tout ceci
est maintenant fini depuis 1848. Edmond Albus, l'inventeur de la fertilisation de la vanille, était un esclave de l'île de la Réunion, comme vous le savez. Il avait été affranchi d'ailleurs vers 1830. Eh bien donc, nous avons dans cette île une espèce de petit microcosme, au sens étymologique du mot microcosme, un petit monde, un microcosme du monde du XXIe siècle. Et ils ont bâti une société ouverte et formidablement tolérante qui communie, chacun gardant dans un esprit de laïcité, chacun gardant sa foi pour l'intérieur de son domicile, en ne l'imposant pas aux autres, mais tout le monde communie dans l'amour de la République française et dans les grandes valeurs républicaines. Eh bien moi, je trouve que plutôt que de faire en permanence des reportages sur des quartiers difficiles, eh bien on devrait plutôt faire aussi des reportages sur ce qui se passe à l'île de La Réunion, par exemple. Et puis je terminerai sur l'outre-mer en disant qu'en recréant le franc, la République française ne fera que réunifier son propre dispositif monétaire. Eh bien oui, puisque vous avez vu, elle est belle, cette vue de Moréa, vue depuis Tahiti. 520 000 Français, nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, vivent toujours avec le franc pacifique. Il est assez émouvant pour ceux qui aiment les clins d'œil historiques de penser que les seuls territoires qui ont gardé le franc et qui ne sont pas passés à l'euro, qui sont donc des territoires d'avenir, puisque nous allons revenir au franc, et tout le monde le sent bien, eh bien que ces territoires ont été aussi les premiers territoires de la République française à avoir rejoint la France libre dès l'automne 1940, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc je serai heureux de le souligner à cet égard. Sur le magazine très récent, le magazine Côte d'Armor, c'était il y a quelques jours, c'est un de nos militants qui me l'a fait passer, nous voyons fabriquer par le Conseil général des Côtes d'Armor, avec l'argent des contribuables français, encore un document entièrement à la gloire de l'Europe, Citoyens sans frontières. Vous voyez qu'il y a le drapeau des Côtes d'Armor, ce qu'on appelait les Côtes du Nord récemment, et le drapeau européen. Le drapeau français n'existe plus. Les régions françaises font de plus en plus leur promotion en ne mentionnant même plus la France. Voici la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans un document officiel sur les emplois d'avenir, il n'y a plus marqué nulle part République française, alors même que toutes ces régions sont très largement financées par l'État. Ou bien, en tout cas, les impôts locaux sont collectés par l'appareil d'État. Tout ceci nous mène à quoi ? À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Breizh. Vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne, de même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays Basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale. Alors on revient maintenant à nos moutons. Si vous allez sur la page d'Europe Écologie Les Verts, vous avez maintenant, c'est en ce moment même, hein, vous avez maintenant la carte de leur rêve. Décentralisation, libérer l'énergie des territoires. Libérer l'énergie, ça ne veut rien dire. Alors si vous allez sur Europe Écologie Les Verts, vous avez donc ce qu'il faut pour redresser la France. Jamais ne vous diront un mot sur l'article 62. Celui qui organise les délocalisations, jamais sur l'article 32, celui qui organise les rapatriements des produits faits en Chine ou dans les sweatshops au Bangladesh. Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 42 du TUE qui nous subordonne à l'OTAN. Ils ne vous diront jamais un mot sur l'article 121 du TFUE qui nous subordonne à grandes orientations politiques et économiques fixées par la Commission.
Jamais ils ne vous diront un mot sur l'article 123, sur l'article 125, sur ces articles qui subordonnent, qui interdisent à la Banque Centrale Européenne de monétariser les déficits publics, sur celui qui interdit les renflouements des autres États, qui est absolument piétiné. Jamais ils vous en parleront, non. Voilà, pour les Verts, ce qu'il faut, c'est avoir cette carte de France-là. Et vous l'avez. Et bien, voilà la collectivité territoriale alsacienne. Elle y est déjà, comme la collectivité territoriale unique de la Corse, comme ici, la Catalogne. Ils veulent que le département des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, d'ailleurs, n'a plus de numéro, s'appelle Catalogne dans le projet des Verts. C'est exactement des agents de l'étranger. Sachez que ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, ici, vous voyez que le département des Pyrénées-Atlantiques est coupé en deux, avec un nouveau département Béarn et un autre qui est Pays Basque, qu'il s'agit de démanteler. Vous voyez ici que la Loire-Atlantique et là, la région Pays de la Loire est démantelée pour avoir la Bretagne prête à l'indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Faut arrêter de tourner autour du pot. Ce sont les héritiers directs de Morvan Marshall de 1923. Direct. D'ailleurs, on ne se le croit pas si bien dire, puisque l'UBB et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. Ça date du 22 mars dernier, il y a quelques jours. Et oui, parce que du vote qui va avoir lieu en Alsace, ensuite, ça va faire jurisprudence. Alors quand on vous présente ici, oh mais on va économiser 3 millions d'euros. 6 millions d'euros. Sur des budgets qui en font des milliards. On va économiser 6 millions d'euros, vous rendez compte? D'ailleurs, on peut le passage, le président du Conseil général du Haut-Rhin, non pas du tout. Vous pouvez être sûr, d'ailleurs, au passage, que ça sera augmenté. Parce que vous pensez bien que tous ces gens voudront garder leur prétendre et peut-être se prendre des titres plus ronflants. Et oui, la question de la collectivité, il faudra qu'il y ait une usine à gaz. En fait, je vous connaissais l'histoire. Mais vous voyez que la Savoie également, il n'y a plus de département, c'est une collectivité territoriale unique. Donc c'est bien le démantèlement de la République française dont il s'agit. Et encore une fois, hein, si vous avez un doute, vous allez sur le site d'Écologie des Verts, vous regardez le décentralisation en ce moment. Hein. Alors je rappelle à ce propos notre constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, une république indivisible et unique. Rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que c'était au nom de cet article premier de la Constitution de la République que le Conseil constitutionnel avait retoqué la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires comme les provinces.